Lors du dernier épisode inédit de l'émission C'est à vous, diffusé hier le 29 septembre 2023, l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine a rassemblé son équipe de chroniqueurs fidèles, dont Patrick Cohen, Pierre Lescure, Émilie Tran Nguyen et Mohamed Bouasbi. Au cours de cette émission, la comédienne Mathilde Seigny était l'invitée pour promouvoir sa nouvelle pièce de théâtre intitulée Bungalow 21. Cette pièce met en scène Mathilde et sa sœur Emmanuelle Seigny dans les rôles de Simone Signoret et Marilyn Monroe. L'histoire se déroule en 1960 au Beverly Hills Hotel à Los Angeles, où deux couples mythiques, Simone Signoret et Yves Montand d'un côté, et Marilyn Monroe et l'écrivain Arthur Miller de l'autre, se croisent et voient leur vie bouleversée. Lors de l'interview, Mathilde Seigny a révélé que tous les acteurs français renommés qu'ils avaient approchés avaient refusé catégoriquement de jouer le rôle d'Yves Montand dans la pièce. Finalement, c'est l'acteur Michael Cohen qui a endossé ce rôle. Mathilde Seigny a expliqué que les acteurs connus avaient des réticences à jouer ce personnage, craignant tout simplement ne pas être crédible et évoquant également des considérations financières. Elle a conclu en mentionnant que cela témoignait des égos des acteurs français. Mathilde Seigny décidément n'aura jamais sa langue en poche et c'est aussi pour cela que nous, en tout cas, on l'adore.